Salut à tous, c'est Luc Fraser. On se retrouve pour l'épisode 2 de Dégustation Bizarre. Puis là, déjà là, on en voit un de choses que je vais devoir goûter. Un popsicle avec de la crème fouettée, puis de la moutarde. Fait que j'espère que vous serez aussi nombreux que la première vidéo. Regardez la vidéo. Ensuite, on a un petit biscuit soda avec du beurre de peanut et de la menthe. Et pour finir, un mini chocolat Reese avec des poissons au fromage. J'ai oublié. Ah oui, c'est ça, des goldfish, tout simplement, que ça s'appelle. Ben, fait que, écoutez, je change le sens de la caméra, puis on goûte ça tout de suite. Bon, fait que, c'est ça. Bonne vidéo, n'hésitez pas à liker si vous aimez ce type de vidéo-là. Puis, bon visionnement à tous. Rebonjour, et c'est parti. Fait que goûtons à ça. On va essayer de goûter des moins bizarres jusqu'aux plus bizarres. Fait que le popsicle, ça va être en dernier. Je vous avertis tout de suite. Hein? Ouais, c'est ça. Bon. Fait que, on va commencer par Petit Whiz. Allez, oui, c'est ça. Un Petit Whiz avec un petit poisson au fromage. Je sais pas si vous voyez bien. Le zoom veut pas se faire. Mais bon, on va commencer par ça. Hein? On va bien voir. Bon, bon appétit. Excusez, je sais que c'est pas classe, mais je le fais encore 2 jours, c'est pas une bonne chose ça. Il faut que je me dompte. Bon. Pour être honnête avec vous, le premier, c'est pas mauvais, hein? Non, 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 c'est pas mauvais. C'est juste un peu chocolat, un peu bizarre le chocolat et le fromage. Mais bon, c'est pas dégueulasse non plus. Bon, fait que là, on va essayer par le deuxième. Et voilà, menthe et beurre de peanut sur un biscuit soda. Fait que je sais pas si je fais mon gros porc puis je le mets tout dans ma bouche d'un coup. Ouais, c'est probablement ce que je vais faire. Ah oui, puis c'est vrai, j'oubliais. Un autre gros merci à Minnie, parce que non seulement c'est elle qui a donné l'idée pour que je fasse des vidéos comme ça, mais en plus, j'ai fait un petit pari avec, comme si j'avais 20 visionnements en 24 heures. Ben que c'est elle qui allait choisir les prochaines choses à goûter. Puis elle a gagné. C'est ce qui fait qu'en 24 heures, j'ai eu 33 visionnements. Ce qui est énorme. J'ai pas l'habitude d'avoir autant de visionnements. Puis ben c'est ça. Encore une fois, un gros merci à Minnie. Merci Minnie! Bon, puis là on va y aller avec menthe et beurre de peanut. Puis oui, moi tout le mettre dans ma bouche hein, pour pas me faire chicaner. Ah ben là, t'as triché, tu l'as pas tout mis. Bon, ben ok, c'est bon, je le mets tout. Bon, fait que si ça fait du bruit dans la vidéo, ben désolé. Mais bon, je joue au jeu comme faut. Fait que, santé. Ouais, c'est pas mauvais non plus. Mais, excusez de 2 secondes. Bah. C'est pas mauvais. Ça goûte moins la menthe que ce que je pensais. Mais, c'est pas mauvais non plus. Le seul qui va être dégueulasse, selon moi, c'est le dernier. Popsicle avec crème fouettée et moutarde. Lui, j'imagine m'en faire une drôle de face en le faisant. J'ai pas envie. Mais il faut. Sinon, Minnie, elle sera pas contente. Elle vous dira, ben là, t'as pas tout goûté ce que tu voulais goûter, peut-être. Non. Bien. Fait que vous avez vu, hein? Popsicle, crème fouettée, moutarde. Moi, je vais juste attendre parce qu'il me reste encore de la menthe, du beurre de peanut, puis ainsi de suite dans la bouche. Pas fausser les goûts non plus.
Bien, ben c'est petit les amis, allons-y. Ben, j'avais raison. C'est le pire des trois. C'est le moins bon des trois. Ah, puis les petites acidités de la moutarde qui fait que c'est pas très bon. Mais bon, avec le sucré, ça s'équilibre, fait que c'est pas si pire. Bon, ben voilà, ma deuxième vidéo sur dégustation bizarre épisode 2 est finie. Fait que comme d'habitude, j'espère que vous aurez aimé ça. N'hésitez pas à liker. Oui, à liker. À vous abonner si vous avez aimé ça. Pour ne pas manquer la suite. Et probablement peut-être une vidéo 3. Excusez, pardon. Mais ça, je suis pas sûr, mais pas sûr du tout. Mais ça, on va bien voir avec le nombre de visionnements. Si j'en ai encore pas mal, ben m'en faire une troisième, va falloir que je trouve d'autres mélanges bizarres. Fait que merci de m'avoir regardé, puis on se dit à la prochaine pour la prochaine fois. À plus!